Bonjour mes enfants, aujourd'hui on va faire un cahier d'activité, unité 3, ma chambre à coucher, page 10. On commence par le dialogue. Bonjour maman, bonjour Mona, bonjour maman. La mère. Ta chambre. Ah. Coucher et propre, Mona? Oui, maman. La mère? Mona répond, j'ai la couverture bleue. Donc, la mère va poser la question. Qui a quelle couverture? J'ai la couverture bleue. Mon coussin est rose et blanc. La mère? De quelle couleur est ton coussin? Mon coussin est rose et blanc. La mère, tes poupées sont sur le lit? Oui, maman. Et mon chat est sous le lit. Bravo, ma petite. Merci, maman. On a ici le vocabulaire de l'unité numéro 1, les rideaux. Où sont les rideaux? Ça, ce sont les rideaux numéro 1. Numéro 2, l'armoire. Ça, c'est l'armoire. 3, la couverture. Ça, c'est la couverture. 3. 4. Le lit. Ça, c'est le lit. 4. 5. Les tiroirs. Si c'est les tiroirs. 6. Le bureau. Ça, c'est le bureau numéro 6. Numéro 7. Les coussins. Ça, ce sont les coussins. Numéro 7. 8. La commode. Ah, pardon, ça, c'est. Ça, c'est la commode. Pardon. Ça, ce sont les tiroirs numéro 5. Et ça, c'est la commode. La coiffeuse. Ça, c'est la coiffeuse numéro 9. Continue. Réponds en question. Qu'est-ce que c'est? C'est un réveil. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pluriel. On a deux langues. Donc, ce sont des lampes. De quelle couleur est la couverture? La couverture est bleue. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre à coucher? Dans ma chambre à coucher, il y a un lit, une grande noir, une couverture, et tout ça. Choisis la bonne réponse. Chambre à coucher de Sarah est propre. On va choisir de le laver. Chambre, c'est féminin, donc on va choisir là.
ta chambre à coucher de, moi, de Sarah est propre. C'est un coussin de Karim. Coussin, c'est masculin, donc c'est le coussin de Karim. L'école est grande. École commence par voyelle E, donc on va choisir l'apostrophe. Les élèves sont intelligents. Élèves à la fin S, donc c'est pluriel. On va choisir les. C'est une couverture de Nora. Couverture est un mot féminin, donc c'est la couverture de Nora. Continue. Mets les mots en ordre pour faire une phrase. À quelle couverture? Tu as quelle couverture? Point d'interrogation. Le rideau, les et point G. G. Là, va voir, j'ai les rideaux bleus. Wow. Couleur, coussin et deux points d'interrogation. Quel temps? De quelle couleur et temps? On ne va pas faire l'exercice 6, on va continuer l'exercice 7. Complète par les lettres qui manquent. A, E, I, O, U. Ça, c'est quoi? C'est le mot rideau. Donc, rideau. Armoire. A. A, le, c'est tout le monde à voir. Image, et image. Tapis. Tapis. Tiroir. Tiroir. Coiffeuse. Coiffeuse. Coussin. Sain. Couverture. Couverture. Chambre. Chambre. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. On a fait l'été. Toi, ma chambre à coucher. Et à la prochaine fois. Merci.